alone. Don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Hot those hipsters, I wanna dance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark. Alors peut-être une nouvelle aventure, je ne sais pas, mais tout simplement déjà une petite vidéo où je vous présente un peu le délire. Donc je suis sur la map Volcano tout simplement, comme tu peux le voir, avec le mode Ark Eternal. Donc qu'est-ce que ce mode? Eh bien tu peux le constater par là, ça te donne des dinos alpha par exemple, comme là, comme celui-là. Des primes, alors de ce que j'ai compris, les alphas, ben, c'est des alphas, c'est déjà bien costaud, et les primes en fait c'est encore plus costaud, c'est encore plus violent. Regardez par exemple les stats de ce raptor, niveau 701 quand même, c'est juste monstrueux. J'ai tamé une wyvern prime, alors là je me fais pas chier, hein. C'est fusil instantané, parce que regarde la torpeur de cette merde. Hein, pour coucher ça de manière legit, accroche-toi. Je suis en god mode obligatoire parce que je meurs tout le temps. Alors ça, c'est une wyverne du poison que je me suis fait spawn au début de jeu pour commencer en fait. Et regarde la différence. Elle est niveau 1346, regarde les points de vie qu'elle a. 67 000, et l'autre, elle est niveau 162 en prime et elle a 255 000 points de vie. Alors le plus costaud que j'ai pour l'instant, c'est lui. Le Prime Rex, regardez les dégâts qu'il a. Et ce que je trouve magique, tu vois, c'est Tetsu. Et là, tu défonces tout. Il est juste violent. Le Prime Rex, j'ai un Alpha Pteranodon, un petit level. Je le trouvais juste trop beau, c'est pour ça que je l'ai pris. Hier soir, j'ai tamé celui-là, l'Elemental Dragon, niveau 220. Je le trouve juste sublime. Il est trop magnifique, ce dragon. Franchement, il est juste trop beau. Honnêtement, il est trop beau. L'Elemental Lightning, bon ça c'est un T-Rex électrique apparemment. Voilà. Donc là ce qu'il faut qu'on fasse. Arrête, est-ce que je peux casser un caillou là? Ouais, nickel. Il me faut un peu de silex. Voilà. Parce qu'en fait là ce que je veux faire c'est meubler un peu ma base, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui manque? Du bois. Hop. Amène ça. Allez, on va faire une forge. Voilà. Voilà. Hop. On va péter une forge ici pour l'instant. Ok. Ok, c'est parti. On la démarre. Parce qu'en fait, en gros, ce qu'il faut que je me crafte, je t'explique. C'est un coffre. Lingot de métal, pierre, bois et peau. Pierre, peau, j'ai pas besoin de tout prendre. Pierre, peau, lingot de métal et du bois. Ok, on va chercher du bois, de toute façon il va en falloir. Je vais me faire un coffre en métal pour stocker mes ressources dedans. Et je vais mettre en fait autour de ma base, donc je vais te montrer où je suis sur la base, des piliers. En fait voilà, moi je suis placé ici en fait, c'est un endroit qui est à peu près calme. Oh, qu'est-ce que je vois là? Voyons voir. Voilà. C'est un endroit qui est à peu près calme et que je veux tout simplement... Oh, ben Dieu. Fusil à canon scié en immortel. Voilà. Hop. On va remonter. Parce qu'en fait, je veux mettre des tourelles automatiques un peu partout. Pour tout simplement éviter d'avoir... Parce qu'il y a une putain de wyvern alpha. Il y a une prime qui se promène maintenant. Il y a une prime qui se balade là, va falloir surveiller ça. Que au cas où, tu vois, je me fasse pas surprendre. Tout simplement. Donc du coup, j'étais parti pour chercher du bois. Chose, ce qu'on va faire, on va chercher du bois. Alors, c'est un mode de jeu qui, franchement, enfin après c'est que mon point de vue, mais disons que pour moi je trouve que c'est un mode de jeu qui change. Putain, celui-là il est violent, 412. Inculé. C'est un mode de jeu qui change. Voilà, c'est... Regardez de nuit, le dragon, les ailes. Pouah. Ah, il est sublime, une petite photo. On va faire une photo de devant. Ah ouais.
Ah, il est violent. Ah ouais, non, mais il est trop beau le dragon de nuit. Franchement, alors, si vous vous souvenez bien, j'avais déjà fait une vidéo avec un mode similaire en fait. Et en fait, c'était pas tout à fait le même mode. Il plantait énormément. Alors celui-là, il ne plante pas. Le seul truc qu'il faut faire, les gars, et ça je vous le dis tout de suite, c'est quand vous l'installez, mettez-le en premier, en prioritaire tout simplement. Et puis du coup, vous n'aurez pas de problème. Hein, parce que moi, mon jeu crachait. Et en fait, bah, je l'ai mis en premier, en prioritaire, dans la liste des modes. Et puis bah, du coup, ça crache plus. C'est nickel. Voilà. Parce que c'est quand même un mode qui fait 900 MO, je crois. Hein, donc c'est quand même pas un mode de Tarlouse, on va dire. Alors par contre, j'ai pas de ciment. Je connais pas du tout la map Volcano. Donc ça, c'est un peu tous les loots que vous arrivez à looter sur cette map. Et ça va vous permettre de faire des potions. C'est quoi comme potion ça? Une potion de suicide. Super. Ça c'est pour tamer instantanément, mais regardez ce qu'il faut pour en faire une. Donc t'es vite calmé. Ça c'est les sels alpha. Alors par contre, ah si j'ai du ciment, cool. J'ai du ciment. Hop, on va en fabriquer un. Un pour l'instant ça suffira. Voilà. On va te mettre où toi? Toi je vais te mettre là. Donc là-dedans, je vais mettre des trucs qui sont qui ont de la valeur à mes yeux. Bon, en fait, je vais mettre toutes ces merdes là. Ça, c'est les yellow, ça non? Non, c'est des narcotiques classiques. Tout ça n'a rien à faire ici. Tout ce qui a un peu de valeur, je vais stocker là-dedans. Voilà, toutes ces ressources. Merde, par contre ça, j'ai pas besoin de stocker là. La chitine, c'est pareil. J'ai presque envie de la mettre. J'ai presque envie de la mettre ici. Pff, la bouffe, pour l'instant, je m'en fous. L'atelier, je vais stacker ça et ça. Alors bon, là, ouais, je suis en god mode, complètement. Parce que simplement, de faire one shot par un dodo, ça va 5 minutes, si tu vois ce que je veux dire. Du coup... Je voulais regarder les points d'engrammes. Alors, ils ont de nouveau tout changé dans ces engrammes. Il faut le fusil d'assaut. Putain. Fusil à canon, maintenant il faut. Pistolet. Oh là 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 là. Alors, ils ont fait une mise à jour qui me gonfle parce qu'avant en fait par exemple là je cliquais sur fusil d'assaut tu cliquais dessus en fait et il te marquait souhaitez-vous prendre tous les engrammes en gros que tu avais besoin avant pour pouvoir tout simplement les débloquer donc c'est cool ça te coûtait 30 engrammes par exemple et puis tu avais tout débloqué là tu es toujours obligé de tout rechercher de te faire chier et c'est relou voilà. Maintenant, on va aller dans S+. Prendre le feu de camp, ça serait bien. Alors, la petite tourelle, où que tu es? Tourelle, tourelle, tourelle. La voilà, tourelle automatique. Et ça se fabrique là-bas. Donc à mon avis, c'est à base de métal. Il faudra des munitions également. Là, il faut quoi? Oh putain, de l'électronique, des lingots, du ciment et du polymère. Bon, je vais me faire spawner des ressources, je crois. Ça va être bien plus simple. Surtout l'électronique et le polymère pour l'instant. Parce que j'ai, vous pouvez voir, hein, j'ai quoi? J'ai 2 heures de jeu sur le mode élémental. Hein, j'ai rien de plus. Dire là, je vais pas rester que ici à faire du craft. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va se prendre des pots de narco. On va se prendre bah, de la raw prime. Normalement, j'en ai dans mes bestioles. Ah, toi, t'en as plus des masses. Attends, toi, je vais te sortir un peu de viande. Toi, ça te sert à rien que t'aies tout ça. Faire un peu le tour des bébêtes. Toi, je vais t'en mettre. Voilà. Dans le Prime Rex, toi tu dois être bien servi. Voilà. Ah, je vais emmener ça. Alors ça c'est une potion qui fait partie du mode, hein, les amis. Oh oui, toi t'en as de la Prime, toi.
des potions de régénération, parce qu'il faut savoir que quand tu te fais attaquer, tu perds bah, facilement. Bon, tu sais quoi, lui va me servir. Il va me servir à stocker mon bordel. Donc, tout ça, je vais dropper. Parce que ça me sert à rien. Ça, je récupère. Merde, voilà. Toi, la vie wyvern poison. Oh putain, j'en ai de la prime, les gars, là. J'ai de la prime, donc ça c'est cool. Alors, je vais pas me prendre toute cette prime, ça sert à rien. Mais disons que je vais me prendre 250 prime, ça, et encore la moitié. Les deux potions sédatives. Et le reste, je vais stocker dans mon T-Rex. Comme ça pourrit pas trop vite. Et puis, je vais me bider la pierre et toute cette merde. On va tout sortir. Donc, ça. Voilà. Alors, j'ai un grappin, simplement parce que quand tu as les wyvernes comme celle-là, et puis que tu oublies de les laisser en follow me, et puis que ces connasses, elles décollent, et puis qu'elles ne se reposent pas toutes seules, eh ben, si t'as pas le grappin, t'es vite emmerdé, on va dire. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec le dragon. Alors, le dragon, le seul léger défaut qu'il a, c'est que t'es vachement en vue éloignée comme ça. Mais une fois que t'as décollé, ça va. C'est juste quand il est assis. Enfin, oui, tu l'as assis, t'as compris quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a un Prime Bronto. Normalement, là. Merde, je voulais pas cracher du feu, excuse-moi. Là, il y a un cra. Oh, la Wyvern Alpha là-bas. Celle-là, par contre, elle risque de me mettre terriblement dans le mal. Donc on va gentiment la laisser tranquille. Putain, mais encore une Wyvern. Ça, c'est une Wyvern de poison élémentale. Il n'y a pas des Argentavis alpha là? C'est ce que je recherche, putain de bordel, et je trouve pas un seul Argentavis, un aigle, un alpha quoi. Là il y a du T-Rex, là il y a du Prime Raptor. Elle est là, la Wyvern alpha qui m'a fait beaucoup de mal l'autre fois. Vous pouvez voir, hein, je suis pas parti loin, il y a du monde. Hein. Il y a le Gigano Prime. Ouh, il doit être hard celui-là. Alors ça, c'est le genre de saloperie ça. Facile à tuer, très facile à tuer, et puis ça te donne beaucoup de prime et tout ça, donc c'est pour ça que ça je profite. Et il n'y a pas un putain d'aigle. Là on voit un poison, non pas un poison, un Triceratops de feu. Oh, l'autre il a bugué en l'air, c'est fantastique. Putain, l'autre il est en train de faire un carnage à la tronçonneuse, l'autre là. C'est un prime, hein. J'ai pas trop envie de le tenter. Celui-là, il va me one shot, je vais rien comprendre. Parce que pour te donner un exemple, mon. Bah là, le Gigano que tu vois là, c'est un alpha, d'accord? Quand ici traînait le prime T-Rex, donc la même couleur que le Raptor que tu vois là-bas, avec j'étais donc à pied, en God Mode bien sûr, le Gigano était à côté de moi, je l'ai fait attaquer le T-Rex, il a pris deux coups de croc du prime. La moitié de sa vie est descendue. Heureusement que j'avais la Wyvern en prime qui m'a bien aidé. Donc là, il y a plein de Quetzal. Parce que bon, moi, ma Wyvern, elle a un level pourri que j'ai là-bas. Hein. Oh putain, c'est le moment. Oh, elle va m'aggro cette salope. Ah non, c'est un dragon! C'est un dragon de poison. Merde. Putain, je me disais bien. Putain, mais c'est qui trace, l'enculé? Je vais le siffler en passif. Il est où? Laisse-moi descendre, Michel. Suis-moi. Normalement, il devrait pas s'envoler celui-là. Oh bah si, maintenant il s'envole, ce mongol. Tu peux pas tout simplement rester et me suivre à pied, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Dégage, toi! Dragon? Bah la putain de ta mère, toi.
Alors, voilà l'utilité du graphin. Bien sûr, il faut que j'arrive à lui tirer dessus. Oh putain, mais c'est incroyable ça. Arrête, arrête, t'énerve pas, Simone. L'autre, il est en train de renverser tous les arbres. Voilà, lâche-moi. Arrête de me courir après comme un demeuré. Voilà, donc voilà à quoi ça sert. Mais ça va, lui au moins, tu vois, il se pose. Que le problème des wyvernes, c'est qu'elles se posent pas en fait, les wyvernes. Il est là, ce con. Vite, viens là. Il va siffler passif. J'ai envie d'un dragon parce que je les trouve trop beaux. Et puis c'est pas le genre de dragon que tu as régulièrement dans Ark. Et je trouve qu'ils sont plus polyvalents, les dragons, concrètement. Il faut qu'ils m'aggro. Merde, si déjà tu vises comme une chèvre, ça va pas le faire. Oh, là, ça suit ton merde. Si je le touche une fois, il tombe, hein, mais il faut que j'arrive à le toucher. Le premier dragon, je me suis fait chier tout aussi longtemps. Hein. Parce que le problème, c'est que ça bouge tellement vite, ces trucs-là. Bon, allez, toi, vas-y, là, j'ai pas le temps avec toi, là. Moi, je veux un dragon, hein. Tu crois que je vais me faire chier avec un raptor? Je peux monter, là? Ouais. Ah, putain, j'aurais pu l'avoir. Il est passé où le salaud? Merde. Tu vois, comme je te dis, comme c'est chiant à avoir, ces saloperies là. Il est déjà là-bas. Après, ça se tame très bien, hein. Je veux dire, c'est quasiment instant le tame, ça j'ai capté, mais pour les faire tomber, c'est quelque chose de sport. Oh bah Dieu. Putain, il est énervé, lui. Moi, je t'ai rien fait, hein, tu me tapes pas. T'es où, salaud? Oh, Gogol! Il est là, il est là, il est là. Vite. Je les vois eu. Putain, hey, c'est chiant! Attends, tire sur le bronto. Comme ça, il dort. Voilà. Il est ultra rapide. C'est juste un truc de fou. Hey, je suis là! Oh putain! Non. Je sais pas à quoi il s'en prend, mais. Tu vas toucher là? Il est ultra rapide, il est en train de me gonfler là. Il est vachement chiant, hein, franchement. Non, j'aurais pu. Attends, reviens, reviens, reviens. Yes. Il est quel level? Hop là. Tamé, tu vois, c'est instant le tam. Quel niveau il est ce truc-là? 719. Ah. Ok. D'accord. Maintenant, il faut que je trouve mon autre dragon. Ou déjà toi. Déjà toi, tu vas être croqué. Et en fait, tu vois, ce qu'il y a de stylé, je trouve, ça c'est un poison celui-là, normalement. Et en fait, ce qu'il fait,
Eh ben, c'est que tout simplement, ils endorment. Donc, si tu arrives à taper un tapajira, tu vois. Donc, toi, tu vas me suivre. Let's go. Si tu arrives à te faire un tapajira, ben, c'est overkillé parce que, ben, avec un tapajira, t'endors tout, quoi, en fait. C'est ça qui est trop bien. Après, les wyvernes, je sais pas si je peux me les tenter. J'ai trop peur qu'elles me bouffent, en fait. Ou pas un dieu. Je vais aller te croquer, moi. Ouh! La vie qui m'a enlevé. Oh non, 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 moi je me casse. Ramène-toi le dragon. Tu vas crever. Bah voilà, t'es morte. Bah écoute, demi-tour, c'est pas grave. Au revoir. Vous avez vu comme c'est costaud un Prime. Bon, il était pas level mon dragon, mais il s'est fait. On peut le dire, hein, il s'est fait enculer concrètement. Bon. Dans un sens, c'est pas grave. On revient avec un dragon qui est aussi magnifique et qui est au level. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pas de vie comparé au Prime et tout ça. Ils ont pas beaucoup de vie. Celle-là, c'est pareil, hein. Si je vais là-bas, elle va se faire déglinguer, quoi. Je veux dire, elle va se faire violer, hein, la Prime, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est pour ça qu'il faut que je mette vraiment des défenses là, tu vois. Je me fous des tourelles automatiques partout, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui s'approche, boum, ça les déglingue. Et que je pose des murs tout autour, des gros murs là. Comme ça, je suis à peu près sécurisé dans mon endroit, tu vois. Parce que sinon, ça va être le bordel, quoi. Parce que bon, lui, il va se faire déglinguer au moins de rien. Lui, là-bas, je l'ai pris pour la déco, mais tu vois, son niveau, il est nul. Lui, il est pas dégueulasse. Mon plus fort actuellement, c'est mon Rex et puis mon Raptor, quoi. Voilà. Le problème, toi, c'est que t'es bien, mais t'as pas beaucoup de points de vie. Donc voilà un petit peu. Après, bon, c'est pas une vidéo très très longue, les amis, que je comptais réaliser. C'était simplement pour vous présenter un petit peu ce mode, parce que je regarde Yonix TV qui fait dessus du. Enfin, qui joue sur Ark Eternal. Et en fait, je trouvais ça super sympa. Ça change un petit peu, quoi. Après, des gens n'aiment pas parce que ça dénature. Dr. Horse Gaming qui joue aussi dessus. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi tester. Et puis c'est vrai que j'avais déjà bien kiffé le précédent. Et là celui-là c'est vrai qu'il est juste trop stylé quoi. Et puis ce dragon là il est juste magnifique. Je kiffe. Donc vous voyez ce qu'il y a de bien aussi dans ce mode un petit peu. C'est qu'en fait vos dinos faut faire gaffe. Parce que concrètement enfin vous faire gaffe. Ça vous permet de changer régulièrement. Parce que vos dinosaures en fait. Vous avez vu mon dragon niveau 230 contre la Wyvern Prime. Il s'est fait défoncer quoi. Tu vois. Contrairement, concrètement, il s'est fait enculer, excusez-moi du terme. Donc c'est pour ça que ce qu'il y a de bien dans un sens, eh ben, c'est que ça te permet bah, tame souvent des dinosaures, machin, des plus hauts levels. Si je me tame l'autre prime qui a l'air d'être pété, celle-là, je la tue, tu vois. Je la garde pas. Ça sert à rien, c'est trop faible comme niveau, tu vois. C'est la deuxième que j'ai tamée en venant sur la partie, je crois. Donc voilà un petit peu pour ça. Bah moi j'espère que cette petite vidéo de présentation, enfin de présentation, de petite découverte un petit peu du mode Eternal vous aura plu. Et attends, toi j'arrive à te toucher d'ici. Ah ouais, touché, il dort. Voilà. Trop fort. Vous aura plu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous voulez une deuxième petite série sur Ark qui change un petit peu de l'autre série que je fais, qui est totalement, qui est plus classique avec des dinosaures classiques, hein, voilà. L'autre série, c'est vraiment une série avec beaucoup plus de construction, beaucoup plus de jeux de base. Si je fais une série sur le mode Ark Eternal, en fait, ça sera plutôt une série. Je dirais où il n'y aura pas beaucoup de craft et tout ça, il y aura beaucoup plus de timing, de découverte de dinosaures, ce genre de conneries quoi. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, c'était LSA, portez-vous bien, la bise à tous. Ciao tout le monde! I said, don't stop, don't stop, don't stop.